La grande pyramide de Gizeh, en Égypte, a reçu récemment la visite d'un bien étrange explorateur. C'est un robot. Voici Jedi. Il a été conçu en 2009 par une équipe de recherche internationale, comprenant des ingénieurs français de chez Dassault Systèmes. Ils ont confié une importante mission au petit robot, sonder les mystérieux canaux de la chambre de la reine. Les égyptologues savent depuis plusieurs années que le cœur de la grande pyramide renferme deux chambres, celle du roi en hauteur et celle de la reine en bas. C'est dans cette petite chambre qu'a commencé l'exploration de Jedi. Il a été introduit dans l'un des deux conduits d'aération de la pièce, là où aucun homme ne peut passer. Jedi a parcouru 63 mètres dans le conduit de la chambre de la reine, un tunnel de seulement 20 cm sur 20. Pour mener à bien ce périple, il était équipé d'une caméra, d'une boussole et même d'une perceuse. Jedi s'est alors trouvé bloqué par une sorte de porte blindée. Une équipe de scientifiques l'avait déjà découverte et percée en septembre 2002. Le petit robot a donc pu glisser sa caméra par le trou et a découvert une mini-salle, une sorte de boîte à chaussures. Qu'y a-t-il derrière cette salle? Seule solution pour le savoir, creuser. Pour savoir où il faudra donner de la perceuse, Jedi est équipé d'un dispositif à ultrasons pour taper sur les murs. Il faudra ensuite analyser la réponse pour déterminer l'épaisseur du mur afin de percer au meilleur endroit. Mais surtout, Jedi a fait une découverte étonnante. Il a ramené des photographies montrant, sur le sol, des hiéroglyphes vieux de 4500 ans. Regardez-les en rouge sur le fond de la boîte à chaussures et à la jonction des murs. Les chercheurs ne s'attendaient pas à ça. Ces inscriptions ont probablement été faites par les maçons de la pyramide. Est-ce que ce sont des noms, des chiffres, des dates? Pour l'instant, le mystère demeure complet.